Bienvenue sur Nouvelle, la chaîne 100% VTuber FR. Moi c'est quoi? Moi c'est Finfin. Et aujourd'hui on est sur Animal Crossing pour ma première chasse aux habitants. Ouais. Regarde, c'est Régis. Il fout Régis. Alors, il nous faut nos tickets pour faire notre chasse aux habitants. Il va falloir aussi expliquer c'est quoi une chasse aux habitants. Alors, du coup, je vous explique vite fait. Sur une île Animal Crossing, vous avez une carte. Voilà, qui nous présente notre île. Vous voyez que sur cette map, il y a différentes petites maisons jaunes. Sur les petites maisons jaunes, vous voyez, ça correspond à un villageois. Et on peut avoir jusqu'à 10 villageois maximum. Si vous savez compter, et je suis sûr que vous savez compter, actuellement, nous avons 9 villageois plus moi. Donc on est donc 10, donc ça veut dire qu'on peut être 11. Hein. Et du coup, pourquoi? Parce que j'ai vendu Raymond à Chosen, ce qui fait que j'ai une place libre. Là-bas, vous voyez, tout là-bas, il y a une espèce de petite pancarte qui en gros dit qu'on a une parcelle de libre. En gros, on va utiliser du coup ces tickets-là, qui sont plus ou moins rares, pour chercher d'autres habitants. On va voir sur quoi on va tomber, c'est un peu comme un gacha. On a combien de chances? Donc on a 10, plus 8, on a donc 18 îles à visiter. Donc on a 18 rerolls possibles avant de devoir choisir définitivement notre pote. Normalement, j'ai toutes les conditions. Du coup, on doit avoir une chance de croiser des habitants sur les îles avec les tickets Milesnook. Et si on n'a pas, et ben c'est qu'on n'a pas de chance. Mais normalement, on devrait en trouver assez facilement. Alors. Ah, pourtant, j'ai abandonné mon échelle et déjà, il y a une colline. À partir de là, déjà, ça commence très mal. Donc il y a un habitant. Alors c'est... Putain il est moche, oh putain il est moche. Je veux pas ça, je veux pas ce truc. Fais voir. Fais voir que tu ressembles de face. Fais voir ta tête. Déjà c'est un singe, les singes ça a aucune chance chez moi. Mais tourne-toi. Oh non t'es dégueulasse, je suis désolé mec. T'es gros, t'es dégueulasse, t'es immonde. T'es immonde. Alors. Alors il est pas dégueulasse au moins. Bon non, ou elle. Mais c'est pas non plus l'habitant de l'année hein. Oh non. Pute. Sale. Non. J'espère. Bon de toute façon j'ai aucune chance de m'en sortir vu que j'ai ni tenue de plongée, ni filet, ni quoi. Donc on va y aller. Si je m'en fais piquer une fois, ça me fait retourner à la maison ou ça me fait retourner. Bon, c'est quoi ton nom déjà? On va prendre ton nom. Pinounou. Oh oui, Pinounou. J'aime bien, mais ce truc a dit Pinounou, mais j'aime pas son sourire. Malheureusement, je n'aime pas ton sourire et c'est disqualifiable en fait. Vous n'êtes pas. Comment dire? Sur Nouvelle Étoile, nous ne voulons que les meilleurs des meilleurs. Et vous n'êtes pas un meilleur. Mais putain, ça me semble pas logique que consommer ce soit le deuxième choix. Donc on a eu un singe moche et un papin qui a un sourire d'orthodontiste. Du coup, j'espère que le prochain sera autre chose. Donc d'abord on regarde l'habitant, après on visite les. Ok, un peu jaune. Regarde-moi fils de pute. Tu dis asticot, tu dégages tout de suite. Les asticots, c'est en fait, pour ceux qui savent pas, les asticots, c'est ma phobie. C'est vraiment un truc que je supporte pas. Là, il vient de se griller tout seul en fait. Là, concrètement, il vient de signer son arrêt de mort limite. Hein. Vous savez comment on signe l'arrêt de mort d'un. Enfin, comment on tue ce genre de personnage horrible. Bon, on va prendre tous les arbres de son île, comme ça il pourra pas manger. Et après, on l'imaginera mourir. Elle est sympa comme île en vrai, par contre! Je me fais penser à l'île de Pâques. Ah,
Alors, merde. Vous t'appelles comment? On prend les noms quand même. Potama, ouais, ouais, bon, tu seras appelé Fatima, c'était pareil, hein. Il y a vraiment rien d'autre à choper. Bah, limite, attendez, on va essayer d'aller sur le... On peut pas aller au centre. Il y a vraiment rien qui relie au centre. Comme c'était l'île la plus rapide qu'on ait faite. Alors s'il existe, notre habitant, il doit être bien caché, là. Regardez comment c'est long. C'était long. Ok, on voit des pattes. Ah, un PD d'ours. Oh mon dieu. Putain, le pire c'est que je le trouve cool. Y'a personne sur cette île? Si, y'a un feu de camp. C'est que vous êtes par là. Ah, un oiseau. Pardon. Non, pareil, j'ai pas de coup de cœur du tout là. Mais bon, on est là pour le grand spectacle. Du coup, non. L'aide, ouais, oh, calmez-vous. Oh là là, vous faites. Vous êtes pas gentil, pas gentil du tout. Voilà, soyez plus comme Chosen, plutôt sympa, mais sans plus, voilà. Hein, on n'est pas là pour mettre des notes au physique des gens. Non mais oh, c'est quoi ça? Et je le sens bien. Je sens que c'est ce PNJ, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Ça va être... Non mais vraiment, ça va être un truc. Bon, déjà, faut le trouver. Putain, on n'a rien trouvé sur cette île, c'est bizarre, hein. Est-ce que les persos qui sont déjà sur mon île DLC, je peux aussi les avoir? Oh putain, par contre, ici, c'est... Ça a l'air cool. Ils sont plus rasés. Oh, attends, c'est le même que tout à l'heure, ça, non? Non, c'est pas le même. Mais c'est un singe. Sais-moi, c'est illuminatoire. Ok, j'entendais pas ça. Là, j'entendais des fossiles, en fait, pas des pousses de bambou. Non, mais c'est une blague. Ah non, mais ce sera pas un singe, de toute façon. Ça, c'est déjà la race... C'est très mal dit. La race qui sera pas retenue. Hein. Ah, attends, t'as des lunettes? Oh putain de merde! Ah! Ah! Ah ouais. Attends, t'enlèves le bas du corps, ça aurait pu passer. Mais le bas du corps à partir du nez, hein. Rangeons des armes. Non, les fanfans non plus. Les fanfans, on n'en veut pas. Putain, cette vidéo, ça va juste être une tier liste des habitants les plus dégueulasses possibles. Ah, alors c'est pas dégueulasse que je vois de loin. Bon, c'est pas non plus le truc de l'année, mais... Oh, je l'aime bien. Fascinante créature. Oh
Regarde-le. Franchement, il vous donne pas envie, là, mais comme ça. Pour l'instant, t'es... Ah, est-ce que je le laisse filer pour essayer de trouver quelque chose de mieux? Ou est-ce que je le prends? Je l'aime bien. Je l'aime bien. J'ai pas... En plus, j'ai pas de Harus, moi, sur mon île. Il est rigolo drôle, le chien. Il dit où? J'avoue, il dit où, c'était un plus. Bon, on l'a trouvé au bout de... Attends. On avait 18 en tout. Nous... Bah, en fait, pile à la moitié, hein. On va aller voir le yinche. C'est ça la maison du yinche? C'est George. Bonjour, George. Are you coming? Tu vas voir, Arus. Tu vas voir, George. Il est trop cool, George. Regarde, c'est George, mec.